18 ou 19e jour de confinement, ça y est, le facteur est enfin passé et j'avais deux lettres. Ouais, ok, de la paperasse, ça peut paraître aberrant, mais ça m'a mis en joie. Je viens de vérifier l'adage, ne s'use que lorsqu'on s'en sert. Depuis le début du confinement, j'ai cassé mon vélo. Eh oui, je fais mes courses en vélo, parce que comme ça, je fais un peu de sport en même temps que je fais le ravitaillement. J'ai aussi pété le bouchon de ma super carafe à décanter, mon ordinateur, démonstration. Alors, cette fois, je vais devoir faire court et efficace. Le plan séquence s'impose, sauf qu'il y a déjà Xavier qui le fait depuis le début. J'ai plus qu'une seule solution, réfléchir à un scénario élaboré. J'ai donc commencé par ressortir mon bouquin sur la dramaturgie. Depuis janvier, ça avance à pas de tortue. Je suis à la page 153, il y en a plus de 600. Je vais faire basique, aller d'un point A à un point C en passant par B pour que le spectateur comprenne. Ça, c'est mission impossible pour moi. Mais bon, je vais essayer. Objectif, donc, je cherche aujourd'hui à faire une chose positive dans ma journée. La gymnastique sur YouTube en écoutant France Culture, c'est moyen comme scénario, c'est même archi nul. Chercher les romans que j'ai pas encore lus, ça m'épuise d'avance. Écouter la radio, non. Bref, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Ce soir, je bouffe, mais je ne crise pas encore. Allez, j'ai réussi à tenir 19 jours. Et si c'était juste ça, la chose positive ?